Salut! C'est avec ce beau soleil que nous sommes accueillis aujourd'hui. Donc hier j'ai fini tard, il devait être 7h du soir, comme ça. Et content de constater le micro-travail que je fais. Là aujourd'hui j'ai envie de couper du bois parce que je sais pas, d'un coup on passe du printemps à l'hiver, l'hiver au printemps. Et aujourd'hui, je sais pas combien il fait dehors, mais ça meule. En tout cas, un film joué avec Vanessa Paradis et je sais plus comment il s'appelle. Ah ! Ah ! Ah ! Putain, c'était pas réparé là. Ah ! Ah ouais, je peux être polaire aussi comme ça, ouais. Voilà, tu mets du papier cigarette. Je me fais mal avec ça là, avec ses dents là. Ce truc pointu là. Alors quand on se fait mal, on ne faut pas faire couler l'eau sur la plaie, mais à côté. En fait, je me suis bien ouvert. Hein. Cicatrice. Voir comment ça lance. Putain, Ripière, saoule. Et je me parle comme ça, ouais. Alors, j'ai une amie, elle m'a dit que j'étais dur avec moi-même. Ouais, bah en même temps que tu fais des conneries comme ça. Après avoir chouiné comme une gazelle. Bon, après le beau temps, la pluie, et ben il va neiger. C'est beau ça. Fallait pas toucher au projet ARP. Ouais. En l'occurrence, là, il fait 14 degrés dans ma maison. Donc, Miguel et ton col roulé, tu me fais rire. Salut! Bon, quand bien même je me suis blessé hier, bah, faut continuer à travailler parce que sinon, comment on va manger cet été? Donc j'ai dératissé, j'ai enlevé les mauvaises herbes. La terre est plutôt belle. Bah, tout ça ici, là, ça va pousser, ça va être vert. Et je veux que ça fasse de l'humidité. D'autant plus qu'ici, avec mon surplus, le surplus d'eau, qui coule là, ça va là-dedans, ça fait pousser et ça fait de l'humidité. Voilà pourquoi. Hier, vite fait, je suis allé acheter du terreau là-bas, là, les sacs que j'ai montés. Hein. Et ça, j'ai pris de la mâche. Allez, on va commencer à planter. Et voilà, voilà. Au moins 2-3 ans que je coupe ça, pensant que c'est de la mauvaise herbe. Et en fait, c'est de l'oseille. L'oseille, c'est pas de l'argent pour les grands malins. L'oseille, c'est ça se mange. Donc, ce que j'avais commencé hier, bah, c'est terminé maintenant. J'ai enlevé tout le genêt qui servait à rien. Du coup, ça aère. Et là, j'ai mis des choux paumés. Yo, ah, c'est ouf. Regarde ça. Ben, comme quoi. Il y a encore des patates. J'avais complètement zappé. Salut, bon ben on est vendredi, c'est le Mistral. Non, c'est pas le Mistral, c'est quelque chose.
Alors aujourd'hui c'était grand jour, j'ai pas fait la vidéo où j'avais fini le poulailler. Donc j'y suis, c'est le jour J pour les poules. Il est allé me les chercher le monsieur là. Être cool là. Enfin, le jour de gloire est arrivé. Contre nous la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ouais. Bah, j'espère que ceux-là ils vont pas être trop sanglants, ça va être des œufs. Ah. Elle est déjà morte? Elle est déjà morte? Elle s'envole pas la petite. Yes, une. Je me mets là, je voulais que je le tienne. Allez, je le tiens. Pour pas qu'elle se barre. Ouais, ça serait ballot, ouais. Et de une. Bon. Visiblement, la poule est en vogue. La poule à l'arrière du camion. Con. Putain, bon. J'ai juste arrivé, il y a déjà. Ça, c'est ouf, hein. Deux voitures qui se sont arrêtées. Et moi, je suis un des premiers clients. Yeah! Comme quoi, les gens ont vite compris que la situation économique ne permet pas à tout le monde d'acheter à 5 euros les je sais pas combien d'œufs. Maintenant, nous allons rejoindre le pote pour le nouveau blog qui sera à propos d'escalade. Voilà, nous sommes arrivés à la maison. Cool. On va aller libérer la poule. Les poules. Il y en a deux. J'en ai pris une rousse et une blanche. On va les monter direct au château, quoi. Allez. On va les mettre de suite dans leur établissement. J'espère qu'elles vont s'y plaire. Normal. Vous êtes pas chez vous, il n'y a plus les copines. Et oui, mes belles. Hein? Yo! Bon, allez, on va aller voir les filles. Les reines. On va voir si elles sont toujours là. Si le renard n'est pas passé. On est bouffé. Salut les filles! C'est plus comment redescendre, toi? Coucou! Bon, c'est plutôt bien d'avoir les poules maintenant. Donc, c'était le projet. Parce que c'est notre projet! Attention, Maurice. Bon, je suis en train de leur faire un truc pour monter à la boxe. Je vois qu'elle a envie de sortir. Est-ce que je la laisse sortir? Eh ben, ouais, normalement, ouais. Allez, ma belle! C'est toujours étonnant d'avoir des nouveaux animaux et je ne connais pas leur comportement. Elle s'y fait super bien. Ce que je vais essayer de faire, en fait, je vais leur laisser tout cet espace libre. C'est juste que je veux pas qu'elles aillent trop loin pour aujourd'hui. Parce que je ne sais pas comment les chats réagissent. Yassai, ça va ma belle? Hé hé. Coucou, dis coucou à tout le monde. Yeah! C'est super bizarre comme pensée, il n'y a pas du tout de parallèle. Mais j'ai l'impression d'avoir d'avoir des enfants. Je vous laisse gérer votre vie. Donc je dois descendre à la ville, Mais je sais pas où est la deuxième poule. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Eh ben justement, quand j'en parle, eh ben, elle est derrière les fourrés. Ah ben, dis donc. Faites le tour, faites le tour. Eh, hey, Morissette, sors de là. Bon. Eh, hey, ma belle. Ouais, 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 ouais. Elle descend par là-bas. Là, par en bas. Eh, hey, ma belle. Non, dans l'autre sens. Là-bas, là-bas.
Oui, t'as raison. Oui, voilà, ma belle. Allez, dans le sens, voilà, par là. Bah, c'est pas comme si j'étais dans un environnement pour humain, quoi. Hein? Eh bien. Ouais, voilà, repasse par là où moi je pouvais pas passer. Ah, je crois qu'elle veut jouer avec moi, hein? C'est une coquine. Pourquoi tu les laisses pas tranquilles? Je les laisse pas tranquilles parce que je vais partir. Je dois descendre en ville et je vais pas les laisser là comme ça toutes seules. Allez, on y est arrivé. Ben dis donc, c'est bien qu'à ce burning. Voilà. Je viens de m'arrêter pour faire l'essence. Il y a un truc que j'ai jamais saisi en fait dans ce monde. Quel est l'intérêt de laver sa voiture au lave-automatique? Je comprends pas. Pourtant, l'appui, c'est pareil. Non, ça. Et puis ça fait quoi en fait? Ma voiture est propre, je suis fashion pour toi et ta famille. Ouais. Continuons comme ça, nous allons aller droit vers le fossé. Je viens d'avoir une autre idée, je vais m'arrêter prendre des semis si c'est possible, mais surtout des graines. Faire les tomates pour continuer le jardin quoi. Salut toi jeune fille, je sais pas qui tu es. Mais tu m'as l'air sympathique. Ah, génial. Cool, merci. Très beau sourire. Bon, j'ai fait claquer la carte bleue. On est à 25 euros. Mais tout est récupérable avec les graines. Donc voilà. On va essayer de bien faire.